Et salut tout le monde, salut YouTube, nous sommes repartis pour du Moonscars. Et là tout de suite je sais plus trop ce qu'il faut faire, mais je crois qu'il faut que j'aille sur la main gauche. Ouais, ça doit être ça hein. Ok, c'est une arène. Ah, verrouillé. Il va juste falloir qu'on se reprenne les commandes dans les pattes, parce que ça fait deux jours que je n'ai pas joué au jeu. Du coup on va être nul à chier, voilà. Mais tout va bien. Ah oui, c'est vrai que j'ai double dash maintenant. Non, il veut pas venir au-dessus, lui là. Eux, ils sautent pas, eux. Ses poteaux, ils sautent, mais lui, il saute pas. Dommage. Ah ouais, je me suis quand même pris ses attaques. Et oh putain, mais d'accord, ils en font pop en deuxième. Ok, ça va être chaud. Ok, ça va être très très chaud la reprise. Je me suis pas mis au meilleur endroit pour faire une reprise, je crois. Enfin, quoi que tu me diras, si au moins on est juste à côté d'un miroir, donc c'est pas trop mal. Putain, mais il va si loin, lui. Oh, ça va être chaud. Oh, ça va être chaud. Il va falloir trop se concentrer, là, pour un début. Pour un début de stream, c'est trop, là. Je n'ai pas counter du bon côté, tant pis. Pas mérité. Ok, ça c'est fait. Putain, l'autre il avait mis une bombe. Oh, fichier. C'est la bombe qui me tue. C'est la bombe qui m'a assassiné. Allez. Ok. Ok, ça c'est fait. On a fait quelques crits, c'est intéressant. Ok, double counter, ça passe. Tu es enculé d'alchimiste là. Et boum! Voilà. Merde, je me trompe de touche, tout va bien. Il faisait juste de faire des contres, puis voilà. Oh, trop bien. Let's go. Ils sont tous morts. Alors, récupération immédiate. Alors, ça, on sait toujours pas. C'est-à-dire que pour moi, ça ne fonctionne pas. J'ai regardé un peu le replay de mes combats contre les boss où je gueulais et j'étais en mode « Mais c'est de la merde, ça fonctionne pas ce sort. » Et effectivement, ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que je n'ai pas eu de revive. Du coup, je sais pas quoi en penser en fait. Je sais vraiment pas quoi en penser de ce truc qui est censé me faire un revive. Après, je me suis pas renseigné sur internet. Vous avez trouvé boucle d'oreille. Ah, c'est boucle d'oreille de merde là. Pour la quête. Sans vous dire que si elles sont éparpillées dans le monde entier, je vais sûrement pas faire cette quête. Bon, on est dead, mais maintenant ici on peut passer. En plus, il y a de nouveaux ennemis. C'était un peu notre gameplay récemment. C'est-à-dire. Juste rusher. Ah, voilà, par contre, j'ai pris la dose. J'ai pris la dose maximale. Bien faire des petits comptes quand même. Quand même plutôt satisfaisant. Oh putain, les bubs. Oh putain, mais vas-y, mais il... Je vais pas m'énerver. Je vais pas m'énerver. Je crois que c'était à peu près dans cet état que j'étais au dernier stream, la dernière fois. En ayant joué à Moonscars. Oh putain, il y en a beaucoup là. Il y en a beaucoup, des fois ça vaut pas vraiment le coup de rester dans le coin. On a malheureusement. Ça, ça va être cool ça. Le double dash. Un peu un must have quoi. Zone découverte domaine de Wanda. Ok. On run. Ok, donc j'imagine que la suite c'est là. On va se taper du coup, j'imagine, la forme altérée de Wanda. Quoi cette merde? Ah, il fait du poison. Oh, le batter. Et si tu continues d'avancer là, si j'approche ou pas? Mais il attaque aussi. Oh ouais, flemme. En plus, il est altéré par la lune rouge. Donc autant vous dire qu'on en a rien à foutre. Une parade réussie restaure une grande partie de la santé. Ah, une grande partie. Et le problème c'est que ça disparaît je crois. Les restes sont conservés après la mort d'Irma.
fois que ce truc ça disparaît dès que je meurs quoi. Un peu le souci. Ah oui, en plus je l'avais retiré parce que du coup je me suis mis des dégâts critiques. Je suis des dégâts et des chances de coup critique. Chance de coup critique, on va augmenter les coup crits, toujours, encore et toujours. J'aime bien les coup crits, j'aime bien. Carte mise à jour. Ah, il y a petite fille. Pauvre créature, pauvre petite chose. Enveloppée par le silence tout doux, tout doux. Je vais vous chanter une berceuse et vous vous sentirez un peu moins seul, d'accord? Clé des fosses communes. Clé permettant d'accéder aux fosses communes des profondeurs. Les fosses communes. On est où là? On est ici, ok. Sont tanky, c'est ça aussi qui est chiant, c'est qu'ils sont vachement tanky pendant la Blood Moon. Un peu relou quoi. Un petit ganglion. Là on trouve une boucle d'oreille, même si on s'en fout un peu. Je vais vérifier ici. Hop là. Toujours des petits trucs cachés. Du coup là on est en train de bien remonter là, alors que on est censé descendre. Waouh, j'ai jamais battu contre un truc comme ça. Ah non! Oh le bâtard! Il allait m'exploser dessus en plus. Ok, donc là il y a une arène. Du coup ça s'est fermé là, c'est ça? Ouais. Pas les meubles les plus simples en plus là. Il y en a beaucoup! Ah oui, il y en a vraiment beaucoup pour... Ah ouais, non, vas-y. Fuck, hein. Du coup on peut esquiver cet endroit. Enfin du coup on a déjà récupéré ce qu'on voulait. Ah mais putain, le miroir est si loin. La zone a l'air d'être si grande. Faudrait que j'aille chez Wanda. C'est là, ouais. On va aller voir chez Wanda directement parce que bon là j'étais un peu en train de me perdre. Ouais. Oh, ça sent la merde. J'ai tenu ma promesse. Je suis ici pour toi. Non, Los, ne me tente pas. Elle prend soin de nous. Elle nous aime. Dame Wanda a apaisé la faim, le contrôle. Wanda m'a vidé de mes ténèbres. Vous avez pas l'air d'aller très très bien non plus. Hein. Totalement perdu, Wanda. Pourquoi les Immaculés se sont-ils retournés les uns contre les autres? Nous étions plus que des camarades, nous étions une famille. Le sculpteur nous a envoyés en mission. Nous étions à la recherche d'un... Il appelait ça le réceptacle absolu. Un outil qui permettrait de contrôler les argiliens, de faire de nous des êtres à part entière.
ou de nous détruire tout à la fois. C'est ce qu'il a dit aux Immaculés Humains. Il ne racontait pas la même chose aux Argiliens et aux Humains. Ça, c'est vrai. Bien vite, nous avons entendu les conversations des Humains. C'est là que le carnage a commencé. C'est là que j'ai regardé dans les yeux inertes de ma chère parente, Wanda la Ténébreuse que je venais de tuer. Est-il arrivé au réceptacle? Oh, tu ne t'en souviens pas? Je l'ai trouvé. Je l'ai gardé, ici dans ce corps. Il me permet de contrôler l'appétit de l'argile. Regarde la paix qui règne dans mon domaine. Et que m'est-il arrivé? À moi? Venir du réceptacle. Ok. On se bat pas? Toute cette violence, nous n'aurions pas dû faire ça, ça n'a aucun sens. La chère parente nous a toujours méprisé, mon trésor. Ils étaient jaloux de nos corps robustes, de l'affection que Zoran nous portait. Ils voulaient que le sculpteur extermine les argiléens, même ceux qui n'avaient pas perdu la raison. Nous méritons de vivre, de grandir, de nous distancier de nos causes factices. Comment? Zoran ne t'aurait jamais fait de mal, il était ton père. Zoran n'est pas notre véritable père, il n'est pas la source, il est incapable de remplir les réceptacles, pardon, que nous sommes. Il n'y a rien de plus qu'une sage-femme qui s'est octroyé trop de mérite. Il nous a jamais aimés. Nous n'étions rien d'autre que ses œuvres, un reflet de lui-même, un réceptacle pour sa volonté. Encore plus perdu qu'avant Wanda. Oh mon trésor. Tous les argiliens naissent avec un plexus rupturé, et cette blessure ne s'est pas encore refermée. Beaucoup de créatures ont trouvé la paix ici dans son domaine. Elles ont opté pour l'isolation et m'ont laissé soigner leur rupture avec le réceptacle. Vas-tu te joindre à elle? Je t'en supplie. S'il te plaît, Irma, reste ici avec moi, je t'en prie. Genre, on va vouloir se barrer, il va se passer un truc, non? Ronronne. Ou pas. Ou alors il se passe rien. D'accord. Et du coup. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie, nous? Alors, du coup, parce que la carte, là. Là on est arrivé d'ici dans les profondeurs, on a fait toute la gauche et là on est en train de remonter, j'ai l'impression. On va réussir à trouver un méga raccourci entre la forteresse, enfin les faubourgs du début pardon. Et ici. Ah, par contre la photo que je me retape pas. Oh oh. Non. Je mens. Oh. Ça m'a TP. Ça m'a TP. Trop gentil le jeu. Mais du coup j'étais passé par là, c'est là où il y avait la petite fille. Du coup il y a ça qui m'intéresse moi. Ici ça a été fait. Arrive à remonter. Ok, c'est là. Ici, il y a le gros. On le bait là-bas. On vient là. Tac, tac, boum, boum. Faites pas chier, vous. Ah oui, donc là, on peut passer au-dessus pour éviter... Pour éviter de faire le l'arène, c'est vachement bien. Donc du coup on passerait par là. Endroit que nous n'avons pas encore fait du coup. Et de la découvrutre. Et de la découverte. En vrutre. Bon, ok. Je sais pas trop. Je sais pas trop ce qui se passe là avec Wanda. D'oreille exquise. Là il y a un mob. J'aimerais bien trouver un miroir. Parce que là le seul qu'on a c'est celui d'en bas quoi. Ça crée angoisse. Membre argiléen, jambe droite. Ok. Boucle d'oreille encore. Ah, je sautais trop tard. Ok, donc on revient dans un autre type de...
Ah oui, du coup on est dans le même type de biome que celui-ci là. Ok. Un peu du mal à capter. J'ai un peu du mal à capter. Qu'est-ce qu'on a ici? Oula. Il y a du mob. Et on a un ascenseur. J'ai l'impression qu'on pouvait aussi descendre. Et c'est pour récupérer. J'aime ensorceler de ganglions, les dégâts des sorts augmentent de façon significative, mais ils consomment des ganglions. Ouais, quand même. Bus, frérot. Ah ouais, il faut un triple ou un quadruple dash pour passer là. Et du coup, il y a aussi quelque chose en dessous là. On rejoint ici. Ok, une autre boucle d'oreille. En fait, elles sont toutes ici les boucles d'oreilles. Je sais pas combien j'en ai. Est-ce qu'il y a moyen de voir ça quelque part? J'en ai 9, ça. Il en fallait 11. Il y a une gargouille. Et là, c'est encore un nouveau biome. Ça va peut-être pas me laisser passer. Que dirais-tu d'une bonne petite énigme? Je n'ai pas le temps. Deux immaculés argiléens ont trouvé le réceptacle absolu. Ils se disputent quant à son contenu. La femme dit que c'est une bénédiction pour le peuple d'argile. L'homme rétorque que c'est un horrible fléau. Qui a raison, Irma la Grise? Une bénédiction? Sais-tu au moins ce que c'est, misérable créature? Ouvre le réceptacle et regarde ce qu'il contient. Vois-le de tes propres yeux. Ok. Je trouve que j'ai beaucoup de liberté là. Et pas tant avant. Je pense que ici je vais me faire charcuter en 12. Ce que tu as fait au moule de Wanda était cruel, Zoran. Ses os, ses articulations, sa chair, tout s'est contorsionné. Ma fourrure se hérisse à chaque fois que j'y repense. Et pourtant elle était capable de traverser les gouffres les plus béants, tel un oiseau pendant les cieux. Cela justifie. Tel-t-il un sacrifice? Ah, ma faim est en train de prendre le dessus sur moi, Zoran. Qu'il-t-elle traverser les gouffres? Pour traverser les gouffres les plus vastes, Irma a besoin d'une capacité argilienne spéciale. Ça veut dire que là, je l'ai pas, c'est ça? Est-ce que c'est ça que t'es en train de me dire? Ouais, boucle d'oreille. Il m'en manque plus qu'une. De toute façon, je peux pas faire grand chose d'autre ici. Effectivement, je peux pas faire grand chose d'autre ici, bien vu. Il a arrêté de me saouler, lui. Il met tout dans les murs. Oh le con. Oh le con, il met tout dans les murs. On va y aller, c'est trop. Ah merde. Ok, nice. Ah, ça c'est un buff. Santé maximale augmentée, let's go. Oui, on revient ici, ok. Mais du coup, je comprends rien. Où est-ce qu'il faut que j'aille réellement? Une angoisse. On va essayer de redécouvrir ici. Je pense que ça va rejoindre là, mais... peut-être ici, là. Faut peut-être descendre encore plus. Je sais pas trop. J'ai pas trop capté.
Que ouais, j'étais censé venir Wanda. Venir voir, pardon, Wanda. Pour quelque chose. Ah oui, pour que si elle sait comment monter au sommet, je crois, un truc comme ça. Mais là, elle m'a rien donné en fait. Donc j'imagine qu'il faut que je fasse quelque chose, que je la batte comme un peu Chokran, j'imagine. Je sais pas trop. Je sais pas trop quoi en penser. Boucle d'oreille exquise. Bon, je suis à 11. OMG, je suis à 11. Bon, vas-y. Ah, ça fait apparaître un double. Est-ce qu'elle nous dit des nouveaux trucs, elle? La maîtresse? Non. Pas de nouveaux trucs. Ici. Il y a quelque chose de nouveau? Non. Lui, de toute façon, il dit rien. Ok, j'ai plus aucune conversation avec les PNJ. Alors, fais voir, du coup, j'ai ces 11 boucles d'oreilles. Joli travail, Damirma. Tu as trouvé bon nombre de ces babioles. À présent, je vais faire quelque chose pour toi. Les corps se régénèrent automatiquement. Ah, ok, c'est pas mal. C'est fort. C'est même assez fort, honnêtement, pour être très honnête. Mais j'ai que 3 emplacements et je dois faire un choix. Je dois faire un choix. Les corps se régénèrent. Augmente les dégâts critiques, augmente la chance d'infliger un coup crit. Ah. On est sûr là qu'il se recharge automatiquement. Après c'est peut-être Je sais pas. Vu que là il y a de licor corrompu, je sais pas. Téléportation au château. On est retourné au haut château. Dans la nursery, j'imagine. Ah oui, il se recharge effectivement. C'est petit à petit, hein. C'est petit à petit, l'oiseau fait son nid, quoi. Pas ce que je préfère du coup. J'avoue que c'est pas insane quoi. Je préfère, je pense, mes critiques. Hein. La chance d'infliger. Augmente les dégâts critiques. Hop, on va préférer le build crit. Bon bah on va visiter un peu ici hein. Tant pis hein. Il continue à monter lui. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah mais attends, récupération immédiate, je viens de le comprendre. En fait tu récupères tous tes trucs. En fait, tu récupères tes. Je viens de le comprendre. En fait, c'est pas ouf. Enfin, c'est très situationnel. En fait, tu récupères toute ta vie, tout ton icor en fait. Genre au moment où tu prends le truc. À gauche de la vieillarde.
L'œil à demi aveuglé d'une vieillarde qui a été modelée à partir d'une argile spéciale. On avait déjà trouvé l'œil droit, non? Je crois. Ouais. On a les deux yeux. Incroyable. Putain, ouais, je viens de comprendre, en fait. La récupération immédiate, c'est... une récupération immédiate, comme son nom l'indique. Mais putain, il y avait des ailes et tout. Moi, je pensais que c'était une raise, mais pas du tout, en fait. Pas du tout une résurrection. De toute façon, ça fonctionnait pas. Donc oui, j'ai remarqué que c'était pas une résurrection. Mais du coup, c'est... ouais, c'est tu récupères tout... tu récupères toute ta vie et tout ton icor au moment où tu claques le truc, quoi. C'est ça que ça veut dire. Ton visage ne m'est pas inconnu, guerrière. Tu es l'ami de ma sœur aînée. Merci d'avoir si bien pris soin d'elle. Et tu es enfermée ici? Pardonne-moi, chère guerrière. Je ne me suis même pas présentée. Je suis Karina, fille cadette de Zoran le sculpteur. Et ce lieu est le seul où je sois à ma place. On dirait que tu te caches ici. Y a-t-il de mal à me cacher? Du moment que cela ne m'empêche pas d'aider les gens qui comptent pour moi. J'adresse des prières à la douce maîtresse et elle nous accorde son indulgence. Je fais partie des gens qui comptent pour moi, ma bonne Irma. En ceci, il y en a un pour toi et un pour mon Adelina. Viens me voir la nuit prochaine, je t'attendrai. Est-ce que les pierres de rétribution, aucune pénalité après la mort, la fin lunaire ne se déclenche pas. Et Irma conserve tous ses poudres d'os. Eh ben, et on peut revenir la voir pour qu'elle nous en donne un. Ah, une autre boucle d'oreille. Ah mais oui, en fait, d'accord, il y en a de partout des boucles d'oreille, en fait. J'ai pas réussi une seule fois à counter. Ah ouh. Bon bah toi tu restes en bas et moi je vais en haut, hein. Ça marche. Oh oh. Vite. Oh non, c'est fermé. Oh non, il y en a un deuxième. Oh non, il y avait un deuxième mur. Deuxième mur. La honte. La honte, il y avait un deuxième mur. Juste récupérer les ressources, hein, c'est tout, on est que deux passages nous. Hein. On s'en fout de vous, on s'en fout. On est juste là pour récupérer du bif nous. Alors y a pas de bif ici. C'est déjà tout fait. Hop, j'ai juste au miroir. À gauche, je crois que c'est bon. Visiter à droite. Ouais, on rejoint bientôt ça, donc j'imagine qu'à un moment donné. À un moment donné. Il y en a beaucoup là, des gens. Il prend pas les dégâts des épines lui. What the fuck, il prend pas les dégâts des épines. Ça le one shot pas comme tous les autres. Il est pas comme tous les autres. Dans la merde là. Eh bordel, ça lui fait pas beaucoup de dégâts. C'était ça le problème, c'est que ça lui faisait pas beaucoup de dégâts. Ah yes.
Oh non, pas des bébés. Oh non, pas ces merdes. J'aime des scrims imprudentes. Les dégâts ordinaires augmentent, mais les dégâts de sorcellerie diminuent. Ouais, ça m'intéresse. Ça m'intéresserait plutôt pas mal, mais bon. Pour une fois, je n'ai que 3 emplacements. Super, lui. Arrêtez les conneries là. Arrêtez les conneries, les bébés là. Ils me font mal en plus. Hein. Une de mes stats là, santé maximale, ok, encore, c'est pas mal. Encore une boucle d'oreille, je sais pas à quoi ça sert d'en trouver encore maintenant. Closed. Et du coup on peut pas... Ah, il faut qu'on fasse cette salle. Mais de l'autre côté genre. Bizarre. Bizarre. Donc en fait pour l'instant non. On peut pas rejoindre. Aïe. Quoi? Il a eu le temps de m'attaquer. Ah oui, mais je suis obligé. Je sais pas si je dois encore les prendre, mais bon. Dans le doute. Des bébés kamikazes, quoi. Littéralement des bébés kamikazes. Ah oui, mais lui il s'en fout de ça. Je vais mourir. D'accord. Je suis pas mort. Mais j'ai cru que je l'étais. Cadeau. Où est-ce qu'on se dirige? Je sais pas. Jamais su. J'ai jamais su où je me dirigeais dans ce jeu. Ça, non? Allez, on a rejoint là, ok. On a rejoint. Putain, mais je sais tellement pas où aller, c'est affreux. C'est affreux. Peut-être qu'on essaye là. J'en sais rien. Faudrait qu'on se TP en fait. Possible d'avoir le... Possible d'avoir l'ascenseur, s'il vous plaît. L'ascenseur. Pourquoi n'ai-je plus le droit à un ascenseur? Ah putain. Il va sacrément haut le truc. Bon, première sortie à droite.
fait ça et genre on se téléporte dans les profondeurs. Genre là ou là, on s'en fout. Ouais, parce que nous on a repris le jeu ici. C'est là qu'on a repris le jeu. Et j'avais un choix à un moment, non? Je sais plus. Là, je crois que c'était là le choix. Je vais à droite et du coup ça rejoint ici. Du coup, il y a très certainement des trucs qu'on n'a pas fait ici. J'imagine. Si on peut changer les sens et tout. Non, ça on l'avait déjà fait, je crois, l'épisode dernier. Là on peut descendre et j'ai pas descendu. Oui, mais parce qu'en fait on pouvait pas. Peut-être ici on peut. Ah. J'ai compris ce qui se passe à ma vie là. Ok. Donc ça on ouvre. Ah, c'est peut-être ça la clé que j'ai eue là, la clé de, des profondeurs, je sais pas quoi là. Ok, j'ai pas le choix. Ah oui! Ah oui, d'accord, on est sur ce genre de patates. D'accord. Alors d'accord. Alors d'accord. Un peu relou. Mais j'ai même pas l'impression que ça soit vraiment là où faut que j'aille, hein. Vraiment. Hein. En fait là ça va juste rejoindre en fait, ça va juste faire comme ça là et ça va rejoindre. Peut-être on va pouvoir découvrir le chat et la petite fille là. Genre une conversation en plus, c'est peut-être un objet, j'en sais rien mais... Genre ça là, je pense que c'est pour rejoindre ça au final. Mais pas si c'est réellement ultra utile quoi. En fait moi j'aimerais bien continuer dans l'aventure en fait. C'est trop demandé, mais j'arrive à comprendre où c'est quoi. C'est que lui il a la protection quoi. Il fait zéro dégâts quoi. Il fait littéralement zéro dégâts. Il y a des fois que je lui fais des dégâts. Attends, je vais lui mettre du poison. Ça va lui faire des dégâts. Poison qui fait le taf. Mais le problème c'est que je suis pas sûr que faut que je vienne. Enfin ouais. Pas sûr. Pas trop censé être ici. Mais bon c'est juste pour. Je pense c'est juste pour la fille et le chat. En plus on trouve un membre. Je sais pas comment. Oh merde, il y a encore un. Par contre ça c'est trop chiant quand ils sont empoisonnés les mobs. Et ils sont tout blancs. Et du coup tu vois rien à leur attaque. Yeah, c'était propre. Ah nice. Bonus stats. Dégâts infligés augmentés de façon permanente. Donc plus 1 dans les dégâts, ça veut dire en gros. Voilà, ils étaient là et du coup ils sont plus là. Voilà. Mais c'était pour voilà, c'est pour récupérer de la stat. Donc c'est pas si mal. Mais
Mais par contre, je suis du père en fait. Ça m'aide pas. Ça m'aide pas à savoir où est-ce qu'il faut que j'aille pour la suite du jeu. Et en plus, là, je peux même pas. Je suis obligé de changer le sens parce que sinon, je peux pas repasser. C'est pas très 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 clair tout ça. Ah oui, je peux même pas retourner ici. Ça, je peux même pas. Ah si si, pardon. Ici, pardon. Et là je vais revenir au miroir que j'ai déjà trouvé tout à l'heure. Enfin, à la session précédente même. Donc voilà quoi, j'en suis au même point au final. On a fait de la découverte quoi, on a trouvé des trucs sympas. Mais pas de quoi casser trois pattes à un canard quoi en fait. Je sais pas si genre là, est-ce que j'ai le droit de retourner au sommet maintenant? Ça m'étonnerait, et je pense qu'il faut qu'il se passe un truc avec Irma. Il faut vraiment qu'il se passe un truc avec Irma, mais pour l'instant ça a pas l'air de. Elle s'en bat un peu les couilles, j'ai l'impression, Irma quoi. Elle a pas envie qu'on se bastonne quoi. Pourquoi tu veux pas qu'on se bastonne, Irma? Je comprends pas. Tu ne veux pas rester avec moi, n'est-ce pas? Oh Wanda, pour la première fois depuis longtemps, je me sens mieux. Comme si mon ganglion était guéri, la douleur a disparu. Il faut que je trouve le sculpteur, je dois traverser le gouffre. Il n'y a qu'une façon d'y arriver, trésor. En me passant sur le corps. Ah bah voilà, il fallait juste lui parler plein de fois en fait. Tue-moi, je t'en prie, tue-moi, dévore-moi, sors le réceptacle absolu de mon corps. Ne laisse pas la lune prendre mon icor. Je ne veux pas connaître le même sort que ce pauvre Chokran. Je ne veux pas me... Chokran beaucoup. Je ne veux pas me rupturer et perdre la raison. Wanda, tu es la seule immaculée à m'avoir bien traité. Si tu trouves le salut, je saurai sauver moi aussi. Dépêche-toi mon trésor, je t'en supplie. Fais ce pourquoi tu as été créé, je suis heureuse que tes yeux soient la dernière chose que je vois. Pas un geste, argiléenne. Ce n'était qu'une écervelée. Je ne te laisserai pas gaspiller cet icor. Ma pâle fille ne l'aura jamais. Ah, voilà. Non. Ah si le combat c'est juste ça, ça va. Hein. Mais je sais pas, ça pue. Ça pue parce que ça a l'air trop simple. Après j'ai merdé. Hein. J'étais un peu mauvais. J'ai un peu bâché comme un con. Ah mais du coup... Ouais, en fait si tu lui parles pas 6 fois... si tu lui parles pas 6 fois et que tu la hit pas, bah du coup t'as jamais le combat qui commence. Quoi. Ok. Intéressant. Ah.
pas si ça marche quand je suis dans son dos. Merde, ça m'a fait une double attaque. Je sais pas si je peux counter quand je suis dans son dos, ça me paraît un peu... Ça me paraît un peu... Je sais pas, il y a du brouillard quoi. Je sais pas trop. Je sais pas si ça fonctionne. J'ai pas l'impression que ça fonctionne. En même temps, c'est peut-être moi qui exécute mal, je sais pas trop. Ça s'est moins bien passé. Clairement. En fait, si j'avais pas le con, j'aurais pu la faire du premier coup. Hein. Bon, là, il faut juste que je renvoie son premier dégât et que je mette mon poison après. Voilà. Voilà. Elle, pour le coup, elle va vraiment jouer au. Ouais, je crois que je peux pas. Hein. Je crois que ça marche pas. Parce que là, j'avais un bon timing. Hein. Peut-être pas. Pro simple. Je pense que ouais, tout est une question de timing sur ce boss pour le coup. Là c'est vraiment du counter. Ça sert pas à grand chose le dash, j'ai l'impression. Même si j'ai double dash. Et je parle pas de Mario Kart. Vous avez la ref. Alors si, c'est peut-être possible avec le double dash, faut bien timer. Mais je pense que t'as plutôt intérêt à faire des counters en fait, c'est beaucoup plus intéressant. Je sais pas si ça serait même pas plus intéressant, vu qu'on fait que des counters, de remettre la truc qui me redonne des... Une parade de réussir restaure une grande partie, genre de mettre celle-ci à la place de genre, j'en sais rien. Genre bah à la place du deuxième sprint par exemple, juste pour ce boss. Ça va être intéressant. Après celle-ci elle va se casser, mais c'est pas grave, j'en ai une autre. J'en ai une autre. Il y en a une qui est très dure à timer. Aïe. Ouais. Et derrière, c'est presque sûr que ça fonctionne pas. Mais ouais, c'est dur à timer. Hein. C'est vraiment très très dur. Par contre, j'ai vu un truc qui pouvait potentiellement fonctionner là. C'est quand je suis à son corps à corps. Quand elle tape à gauche. Bon, ça marche pas quand elle fait sa grosse attaque qui va de partout, mais... Mais quand elle fait un coup à gauche, à droite, tu peux la berner rapidement en passant à travers elle en fait. Celle-ci, cette attaque est très dure à timer. Ouais. Putain, elle est dure et putain, il suffit que je me prenne deux coups si je me recharge pas entre temps. Et je meurs quoi. C'est chaud. Faut que je fasse full timing parfait. En fait, j'ai le droit à une seule erreur. J'arrive pas à m'en charger. Et après, et après, faut que je fasse gaffe aux trucs qui tombent aussi. Ça, c'est le truc le plus chiant. Je me fais avoir parce que je regarde pas ça. Je suis trop concentré sur le timing de parade. On apprend. Le bruit est infâme. Oh, voilà, dommage, elle a pas fait celle de d'habitude. Ça me rend pas de vie là, c'est normal ou pas? Les parades ne me rendent pas... Ah putain oui. Parce que je suis mort une fois.
Autant pour moi. Et oui, en fait là ça fait genre 3 runs que je me recharge plus avec mes parades. Parce que oui, le truc il a été brisé. Mais on en a un. On en a un qui ne se brise pas. Voilà, les parades réussies restaurent une partie de la santé d'Irma. Alors c'est pas grandement, mais je pense que ça suffira. Ouais putain, je me disais c'est bizarre quand même. Parce que je réussis quand même quelques parades et putain, ma santé quoi. Santé. D'accord qu'elle fait mal et tout, mais bon quand même. On va voir si ça se passe un peu mieux. De toute façon déjà faut réussir les timings de parade. Hein. C'est déjà une chose. Mon perso ne pouvait plus bouger. Je voulais me replacer, ça ne fonctionnait pas. Bon bah c'est sûr que là les parades ça va être compliqué. Donc on en a fait une. On va se recharger du coup. J'ai plus de vie. Ok, je me recharge. On repart à zéro. Ok, deux fois. Ah, c'était une nouvelle attaque, ça m'a surpris. Ok, quand t'es un petit peu éloigné d'elle, elle te fait une attaque à distance. Ok, ok, première fois qu'elle me le faisait, j'étais un peu surpris. Et par contre, ouais, le début que j'ai eu, mon perso ne bougeait pas, en fait. Mon perso était stuck et je sais pas pourquoi. Bref. J'espérais que ça se reproduise pas. Du coup, ça m'a bien niqué mon early. Même si j'ai réussi à bien rattraper avec Licor et tout. Ah, ça m'a bien baisé. Ouh, c'est chaud, hein. Chaud, chaud, chaud. J'ai de la merde. Je trouve ça bizarre qu'on puisse pas le faire même si on est derrière elle. Ah dommage, j'ai essayé de faire un gauche-droite. Là j'ai très mal géré en mid-game là. En mid fight là j'ai très très mal géré. Mais ça va venir petit à petit. Là on l'a bien consumé, on l'avait pas reconsumé autant depuis depuis la première run qu'on avait faite. Premier try il était propre en vrai. On a bourriné et c'est presque passé. C'est ça qui était drôle. Ouais, et du coup son début elle fait pas, elle change d'attaque, ça dépend, elle fait pas tout le temps la même. Donc ça aussi ça peut vite me faire avoir sur le timing. Ouais, genre là dès qu'elle fait celui-ci dès le début, moi ça me, j'ai un peu du mal à le prévoir. Putain, comme par hasard il y avait un truc en plein milieu. Baise. Merde. Fait de la merde. J'ai trop. C'est frustrant parce que j'ai vraiment fait de la merde. Ça, en fait, j'ai fait deux fois mon attaque. Vous l'avez vu, hein, j'ai fait deux fois mon attaque celle-ci. Alors que deux fois je voulais me recharger. C'est très frustrant. C'est très très frustrant. Je me suis mélanger les pinceaux et encore une fois on l'a baissé très bas, donc ça va le faire, on va y arriver. Faut juste qu'on arrête d'être bête.
Faut juste qu'on joue mieux quoi, globalement. Mon perso ne pouvait plus bouger encore une fois. Bref, putain, ça m'énerve. Il y a un problème là avec la phase. Et je me suis encore trompé. Putain. Ça me fait chier. Le perso pouvait encore pas bouger quoi. D'avoir le timing mais c'était dur. Ça me, par contre ouais, ça commence à m'énerver ce truc de mon perso qui bouge pas au début du fight. Ça me trigger un max là. Essayez de pas s'énerver. On a combien? On a 56 minutes. Faudrait qu'on la termine là. C'est vrai qu'on réussisse le boss là, la VOD commence à être longue. Pas aussi. Mais... plutôt bien, c'était plutôt bien, mais à la fin j'ai pas réussi là, j'ai pas réussi les parades à la fin. J'ai eu du mal. Un peu mon joystick dès le début là pour plus me faire avoir. De la merde, je me place plus. Ok, on l'a. Non, 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 non. Je pensais que tout allait se stopper. Je me suis pris le... Non, je me suis pris la merdouille. Oh non. Alors qu'elle était morte. Oh non. Je me suis quand même pris sa merde. Oh c'est... Oh c'est pas de chance. Oh non. Putain, on l'avait fait. Mais attends, mais par contre, il faudrait que je regarde sur la VOD. Il faudrait que je regarde sur la VOD. Que j'ai l'impression d'avoir genre mis deux coups alors qu'elle avait déjà plus de vie, genre c'est bizarre. Ça, je regarde. Je trouve elle a une deuxième phase hein. Je trouve là on est là en galère mais en fait elle a une deuxième phase hein. Ah j'ai fait trop tôt, qu'est-ce que je branle. Dos.
Non, oh, l'abus de lightbox du truc quand même. C'est des trucs qui me pètent vraiment les couilles. Oh, je l'ai même pas vu en plus, celui que je me suis pris là, je m'en suis pris un. Et je l'ai même pas vu. Parce que moi j'ai un repère visuel sur le bas. J'essaye d'être plus près de mon... Enfin de regarder surtout mon perso. Et du coup, bah, vu que mon perso touche le sol, je regarde en fait s'il y a des trucs au sol qui se forment, vu que ça se forme au-dessus et au-dessus. Au-dessus et en dessous, pardon. Mais je pense qu'il y a un endroit où il doit y avoir du paysage qui cache, qui doit être un peu surélevé. Et du coup, celui que je me suis pris au milieu des deux autres, bah, je l'ai pas vu. Est-ce que je l'aurais vu s'il était en hauteur? Du coup, à mon niveau, c'était pas le cas. Non, là je l'ai vu, mais bon, j'avais pas le choix en fait. Elle a fait ses deux attaques très, très rapprochées, ça m'a surpris. Et là je l'ai pas vu non plus. Ah ouais, non, il est pas dans les deux sens en fait. Ok, je viens de voir qu'il faut regarder et en haut et en bas. Ah oui. Il y en a des fois qui sont cachés hein. Là elle meurt là. Elle est morte là. Je me suis encore pris un coup. Allez, une deuxième phase. J'en étais sûr. C'était pour ça. C'était pour ça que j'étais mort. C'est pour ça, c'est parce qu'il y a une deuxième phase. Donc en fait, ce que je viens de faire là, est-ce que je viens de me plaindre que c'était dur? En fait, ce n'est que le début. Parce qu'il y a deux phases. Let's go. Bah du coup on va faire une pause sur la VOD parce qu'on va pas y arriver tout de suite. Du coup, des bisous sur YouTube, ciao ciao.